Yo, salut les aventuriers de Soulwalker, on se retrouve pour la suite de notre aventure découverte sur ce MMO animé action gratuit disponible sur Steam. Il t'intéresse, le lien dans la description de la vidéo, t'as plus qu'à cliquer. Et on peut voir la petite prostipute sur son pilier ici, on va aller la voir de plus près. Elle là, ça c'est Dovacero, qu'on en a sur mon Discord également, avec qui je viens de farmer quelques démons. Regardez-moi cette petite coquine, il savait que je tourne, alors il a dit... Je vais aller faire du pole dance devant devant la petite fouflette. Regarde-moi ce petit cul. Oh là 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 là. Bref, on n'est pas là pour ça, nous. Nous, on est là pour sauver Césarine. Et on va espérer que l'antidote soit bien là où il est censé être. Du coup, eh ben on va rentrer dans l'abri numéro 102. On va faire brasier infernal. Dans l'urgence, c'est le nom de la quête. Coronie de défensif. 0 sur 5. C'est normal, on n'a pas encore commencé. Allez, c'est parti. Pauvre Césarine qui est en train de se transformer en Saul Goulu pour l'instant. Mais ça, tu le sais si tu as regardé les deux derniers épisodes. Il y a un bruit bizarre. Ah, c'est la porte. Ah, je vous rappelle que ce n'est... Ah. 뭘 숨기고 있는지 알아야겠어. 뒤통수 치는 게 아주 자연스러운 여자라군. Ok, j'écoutais les PNJ, hein, comme je vous l'avais déjà dit dans les épisodes précédents. Je vous rappelle également, hein, ce n'est pas un let's play, c'est une série de vidéos découvertes. Là, on est en train de faire un peu d'histoire du jeu, histoire de juger un petit peu, de doser ce que vaut l'histoire du jeu. Pour l'instant, moi, je trouve l'histoire sympathique. Et ensuite, je vous ferai à terme une vidéo sur mon avis sur le jeu, une fois qu'on aura quand même bien découvert. Et là, je pense qu'on a quand même pas mal découvert. Pas de quoi faire un test, puisqu'on n'a pas terminé le jeu, mais de quoi se faire un bon premier avis. Sachant que moi, je vous ferai pas un avis level 4. Hein, certains youtubeurs. Je tairai les noms. Mais certains... Bah non, parce que franchement, les gars qui vous sortent un test la journée même sur un MMO, la journée même de sa sortie, c'est du foutage de gueule complet. Mais vraiment. Hop. Ah, ça fait bizarre quand elle court, les bruits que ça fait, c'est bruit pas. On dirait qu'elle est en claquette. Non, ça les a repoussés vachement loin. Bon, on est donc dans un entrepôt, hein, comme on peut le voir. Avec plein de petits ratatas tout mutants. Ah oui, j'ai une Akasha active, donc c'est les cartes qu'on peut ajouter aux touches F1, F2, F3, F4, là que tu peux voir en bas. Et ça invoque une petite coquine. Je vais vous la montrer. Donc par exemple, moi, celle que j'ai me permet d'invoquer la journaliste. Touche F4, ça sera mieux si j'appuie sur la bonne. Et en fait, le petit temps où elle apparaît, elle te soigne. Elle soigne toutes les personnes dans la zone. Donc c'est plutôt sympathique. Alors il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que des effets de soins. Il y en a qui font des effets qui invoquent un boss, qui vient repousser les ennemis. Et voilà. Moi, je trouvais celle-ci sympathique. Ok, parce que la meuf est en pour Jartel. C'est ça que tu voulais que je dise. Et bah voilà, je l'ai dit. Cochonne, va. On est où là? C'est où la porte? Ah voilà. Oula, c'est un peu moins joli ici. Youhou! Elle est morte. Y'a quoi là-dedans? Bon, je peux rien lui faire à lui. Ah mais t'es pas morte toi, ma choupette. Là. Bon, c'est sympa. Oula. Allez, tournicotis, tournicotons. Hop, on invoque la mademoiselle. Bon, ça soigne pas grand chose, hein, c'est pour le fun. C'est pas une carte super super forte que j'ai. J'ai surtout des cartes passives, comme ça je m'emmerde pas à activer des trucs. Hop. Ah, il y a un pas gentil là. Allez, viens. Oh, on a vu ses fesses, dis donc. T'aurais pu mettre une culotte, hein.
Lol. C'était pas très dur. Putain, on a l'impression d'éclater des pustules. Oh bah là, ça marche pas. Hop, suivant. Ah bah c'est le boss déjà. X020. Oh, qu'il est caca. Alors je suis content d'avoir record parce qu'en fait j'ai raté deux phrases dans le dialogue, j'ai regardé la capsule et du coup bah je sais pas ce qui s'est dit. Donc je le verrai en regardant la vidéo du coup. Bah voyez, hein, bravo le mec qui joue mais qui doit regarder sa vidéo pour savoir ce qui se passe. Vraiment c'est pas mal de filmer. Aïe, elle me dégueule dessus la salope. Allez, les dadas. J'ai hâte de l'avoir en mode dément celle-là. Ça doit pas être facile. Mais j'ai l'impression d'être dans un laboratoire de Umbrella Corporation, quoi. C'est abusé. Touk touk touk. Eh ben ça loot, hein. Bon, mais maintenant on va aller observer la capsule. Écoutez la petite musique de la cacha. J'aime bien, moi. C'est con, c'est cucu. J'aime. Ok, donc la capsule est là. Très bien. Et on a débloqué l'accès au Soul Bribes. Ok. Ah oui, je voulais regarder les Soul Bribes, ce qu'ils débloquaient ici dans la zone. Je vais essayer de voir ça. C'était Atelier 102, si je dis pas de bêtises. Petite musique au piano, toujours agréable. Moi, j'aime bien. Alors, les Soul Bribes. Voyons voir ce que vous nous proposez. Elles sont là. Ça doit être le fils perdu, ouais c'est ça. Et ça permet de débloquer des bottes, le plan des bottes, ok. Bon, c'est mieux que rien. Il faut aller parler à Ombra, très bien, ben, c'est ce que je vais faire. Bonjour ma petite Ombra. Ah, je suis coincé dans le banc. Stella, non. Aurais-tu croisé Luke 3 par hasard? Luke 3, non, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? Mon dieu, il n'est quand même pas... Bah pas quoi, je ne sais pas. Après avoir pénétré dans le laboratoire, quelque chose est brusquement sorti en faisant clac. J'ai d'abord cru que tu avais une envie pressante. Mon dieu, je suppose qu'il a découvert où était l'antidote. Comme nous n'avions pas de temps à perdre, il ne pouvait pas attendre que tu sois de retour et être entré seul. C'est l'endroit où se trouve l'antidote? Bah j'y vais aussi. Luke n'y voit aucun inconvénient. Je n'arrive pas à le joindre, il est sûrement en danger. Bouh, nous devons sauver Césarine. Ouais, vraiment. Il n'est pourtant pas responsable de ce qui est arrivé à Césarine. Pourquoi essaie-t-il de toujours se rattraper? Gare à lui s'il se blesse ou s'il meurt. Oui, je me joindrai à toi si ça arrive. Quoi qu'il en soit, rends-toi au laboratoire et fais sortir Luke. Vite, avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Trouve un moyen de libérer Luke dans Couvée Malsaine. Ok, donc on va aller dans le laboratoire de recherche et puis on va essayer de trouver Luke du coup. Hop. Allez, on y retourne. A chaque fois, j'ai l'impression que c'est la séquence suivante qui va être la fin de l'histoire avec Césarine, mais en fait, non, ça dure. Ah, faut juste que je boive un petit coup. Le temps qu'on charge, je frisson et je bois un petit coup. Voilà, nous sommes dans le laboratoire de recherche. Prêt à aller sauver Luc, qui s'est mis en danger du coup lui aussi. Je trouve les portes, voilà, c'est là. On retrouve nos ratatas mutants. Dont on ne fait qu'une bouchée. Bon, on va essayer tout aggro, hein, ça ira plus vite. Allez, viens, Delemoche.
ça va plus vite. D'ailleurs, je commence à voir des articles sur les sites de jeux vidéo sur Soul Worker. J'ai vu un article, bon, c'était un article sponsor sur Judge Hype. Ouais, Judge Hype, qui est normalement spécialisé au Blizzard, mais qui a fait un petit article sur ce jeu. Et il y avait John Line également qui en parlait aujourd'hui, donc c'est cool. Ça lui donne de la visibilité et ça peut pas faire de mal. Bon, pour l'instant, on peut pas dire qu'on est en manque de population. Et en plus, l'avantage, c'est que comme c'est tout dans des hubs sociaux, je sais pas comment on doit dire du coup, dans une zone où tout est réuni, bah on n'a pas une impression de vide puisque tout le monde est là. Donc du coup, je sais pas vous dire. Mais bon, le jeu est quand même dans la première page des jeux gratuits les plus joués. Sur Steam, vous pouvez trier par jeu les plus joués actuellement et Soul Worker est sur la première page. Donc c'est un bon signe. Bon, il n'y a pas de Luc ici. Luc! Ça, c'est pas Luc, ça. Mais c'est moi, je refais la même, là. Non. Non, épisode 2. J'ai cru. Allez! Bah, ça meurt vite, ces bestioles. Viens, les petits! Hop, tout le monde il est là. Réunion familiale, les enfants. On va invoquer son Akasha qui soigne. Na 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 na. Hop, petit coup dans les fesses. Et un petit loup de verre. Ça fait toujours des sous. Et on a donc accès à la porte suivante. C'est devant. Ok. On va faire tout le tour. Oh, c'est dégueu. Je pense qu'on a fait sortir tous les monstres de là. Oh! Allez hop, ça c'est fait. Donc pour ceux qui savent pas, quand l'écran se noircit, que ça devient noir et blanc, c'est simplement les soul bribes que vous devez récupérer pour débloquer le plan. Vas-y, tape, voilà. Et tu es décédé. Magnifique. On ramasse les petits cadeaux. Et c'est par là. Très bien. Non, on s'enfonce dans les profondeurs du camp. Alors si vous essayez de m'empêcher de passer les petits kikis, c'est mal me connaître. Hein. Vous êtes un peu trop fragile les gars là. Et puis en plus nous c'est pour sauver Césarine. Et Luc maintenant aussi du coup. Scouillon. Allez, on refait tout le tour. Il y a le gros tout nu qui est sorti. Allez. On va reprendre son Akasha qui soigne. Papa. Et lui, sa vie va pas durer très longtemps. Adley, il s'est plombé de la tête, il est complètement perturbé. De toute façon, il est mort. Je peux pas casser ça. Non, ça m'aurait bien plu. Bon, c'est pas grave. Mais ça, je peux. Ah, voilà le boss. X111. Donc ça fait très... très nom de comment on appelle ça, d'expérience. Oui, bon, hein. Aïe, j'ai envie de dire.
Mais je suis à côté. On va invoquer la chieuse là qui soigne. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé d'attaque. Hop. Je refais mon espèce de mitraillage. Et il est décédé, la mort l'a tué. Tout simplement, elle lui a dit viens, viens, viens à la maison. J'ai pas vu de Luc, hein, d'ailleurs. Bon, je l'ai un peu oublié sur le dernier passage, mais... Oh, 4%, c'est la honte. Ok, il est où le Luc? Ah, je l'ai pas vu, hein. Ah, il était où? Ok, on a dû rater quelque chose. Il n'est pas suivi là. Ou alors c'est qu'il n'était pas là et c'est normal. Ah bah non. Ok. Bon bah on va aller dans le des profonds regrets, couver Malsen, c'est donc là qu'il est, donc du coup l'épisode 2 non. Ok, très bien, bah allons chercher Luc. On va y arriver. Sacré Luc. Atelier 102. Ah, on a débloqué des choses. Hop, très bien. Et là, bah c'est bon. Et oui, je sais, j'ai débloqué des niveaux supérieurs. Voilà, t'es content. Allez, go. Toujours en train de vouloir bouffer celle-là, c'est un truc de fou. Cette meuf, c'est un ventre sur pattes. Ah, mais il est pas mort lui. Freluquet. Tiens, bouffe, ratatouille. Ok, ça c'est fait. Ah bah non, c'est pas là. Ah, il y a encore lui. Ah là, là c'est bon. Pas de monstre dans les escaliers. Ah si, là. Enfin, pour ce qu'ils servent. Aide-les les deux, là. Bande de zigoto. Hop. Luc, j'ai perdu, voilà. Ok, let's go. Ta 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 ta. Allez, viens dégrouper là. Du coup, je suis en train de me demander, ça me perturbe. Est-ce que j'ai lancé la mauvaise instance juste avant? Je sais plus ce que j'ai fait. Non, c'était normal de faire l'épisode 2. Je l'avais déjà fait avant, je ne sais plus. Je suis perdu là. Là, du coup, je suis plus dans l'histoire. Je suis perdu dans ma tête. Et puis, il y a de la place dedans. Ah bah, il y a du vide, hein, donc bon. Allez, on recommence. Fais tout le tour. On essaie de faire choper tous les mobs. Voilà. Si vous pouviez venir tous au même endroit, ça m'arrangerait. Bon, c'est déjà pas mal. Ça, je vais le casser parce que c'est vraiment moche. On dirait qu'elle crache de la guimauve, les araignées. C'est tout rose violet là. T'as presque envie de le bouffer ce qu'elle crache. Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu foutais dans la coquille toi, dans le cocon là? Du coup j'ai envie de casser celui-là pour voir. Non là y'a rien. Ok, on enchaîne.
Youhou! C'est bon? La vie vous appartient plus? Ok. Alors par contre, là, petit bémol, parce que tout n'est pas magnifique hein, non plus, il n'y a pas de jeu parfait. C'est que là, ça se ressemble un petit peu beaucoup, les trois niveaux, hein. J'ai l'impression de parcourir le même donjon depuis le début. On va ramasser les petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Allez. C'est bon, la vie t'a quitté. Tout est mort, ok, nickel, ça c'est bon. Très bien. Très bien, lui qui est ici. Oula. Enfin non, c'est peut-être pas lui qu'en fait. Enfin j'espère pas. Parce que si c'était lui, il est pas dans la merde. Non, c'était pas lui que ça va. Bon, il y a une soulbrime, on le sait, on la prendra après. Eh bah dis donc, ils ont créé une sacrée merde là-dedans. Donc j'imagine que le boss qu'on me dit de pas affronter, ça sera le boss qu'on va affronter de toute façon dans le stage suivant. J'imagine. Ah mais t'es pas mort toi ? Sibérion, ouais, je sais pas quoi. La soulbrime, elle était là, hein. Ouais, nice. Mais, non, je veux juste cliquer dessus. Voilà, sage. Très bien, ça c'est fait. Bon, Luc. Je pensais me prendre par derrière les petits là. Ok, donc moi la scène. Ok, il est moche. Alors la scène d'avant, je pensais que c'était le boss final. Hein. Donc du coup, j'avais utilisé mon nadir. Alors les Malévides, c'est les créatures plus puissantes que les monstres normaux, que les boss. C'est des êtres supérieurs, on va dire. Mais bon, là je suis en mode normal, donc ça va, c'est pas non plus galère. Cela dit, le design du monstre est sympa, j'aime bien. Allez, on a des boulettes. Alors, j'avoue que d'habitude j'aime bien les yeux bleus, mais là, ces yeux-là, je m'en passerai. Hein. Voilà. Oui, c'est du bon normal, hein, on n'est pas en dément. C'est Luc là-dedans? Oh le pauvre, il a un cocon différent. Je l'ai sauvé, des bonbons s'il vous plaît. Elle est trop mignonne en fait. Pfiou, réussi.
Ah, te voilà. Pourquoi y es-tu allé seul? Pardon, je peux pas rester assis à ne rien faire quand je pense que c'est de ma faute. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. S'il t'est arrivé quelque chose, Ombra et moi, nous t'aurions maudit. Mais comme tu sembles aller bien, tout va bien. J'ai trouvé l'antidote. Nous allons pouvoir guérir Césarine. Vraiment, pour de vrai? Désolé d'avoir débarqué ici, vraiment. Ok, on doit retourner à Candus. Très bien. Ah oh oui, je te pardonnerai quand on aura l'antidote. Là, je fais des scores de merde en ce moment. Je fais du 100% en dément et en mode normal, je fais de la merde. On a débloqué des trucs encore. Voilà. Et ça, c'est mission terminée. On accepte les groutins. Ça fait toujours plaisir. Très bien, la sortie, elle est où? Elle est là. Et on a également deux titres à nouveau disponibles pour notre personnage. Alors, ce que c'est? Dès que l'écran de chargement sera terminé. Ah, j'ai un petit bug graphique sur les côtés, les bords de l'écran. J'espère que ça se verra pas dans la vidéo. Là, c'est bon, ça se voit plus. Enfin, ça a pas l'air. Ouais, de toute façon, les titres, ça, je verrai ça plus tard. Hop là. Même si ça donne des bonus et que ça peut être intéressant. Bon, ce que je veux, c'est l'antidote. Phew, c'est un poids en moins. N'avais-tu pas dit que tu avais trouvé quelque chose là-dedans? C'était quoi? Ah oui, j'ai entendu une voix. C'était une voix féminine, mais j'ai oublié ce qu'elle a dit. Mais c'était une voix claire et céleste comme peu d'oreilles humaines en ont entendu. C'est tout. Ce sont peut-être les conséquences du délire. Si Césarine traverse cela, cela peut vouloir dire que la transformation n'est pas encore très avancée. Alors, tout va bien avec Césarine? C'est vrai, j'aimerais pouvoir dire que tout ira très vite maintenant que nous avons l'antidote, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr. S'il te plaît, apporte ça à Henri et vérifie si c'est le bon. Ça ne pourrait pas être un antidote? Je ne l'espère pas, mais c'est possible. Bien, allons d'abord voir ce Henri. Parlez à Henri. Nous avons besoin d'une confirmation à propos de l'efficacité de cet antidote. Bah oui, il manquerait plus que ce soit du poison. Henri, t'es où? T'es là-bas. Ah oui, c'est le gros monsieur. On va enlever ça là. Citoyen. Citoyenne Fouflette. As-tu l'antidote? Oui. C'est clairement un antidote. C'est du bon boulot. Une chance, si nous le donnons. Attends, cet antidote ne fait pas effet seul. Quoi? Le globopode se trouve à l'intérieur du laboratoire. C'est un Malévile artificiel que nous avons créé. C'est à lui que nous devons le fait que l'intérieur du laboratoire se soit tant développé. Si l'on associe l'ADN de ses sécrétions avec l'antidote, cela donne le bon antidote. Nous avons fait exprès de rendre la procédure aussi complexe, pour des raisons de sécurité. Pourquoi avez-vous fait cela? Je dois l'apporter à Césarine le plus vite possible. À l'origine, nous pouvions contrôler le globopode et fabriquer l'antidote à tout moment. Mais si un étranger voulait fabriquer l'antidote, il devait d'abord combattre le globopode. Mon Dieu, vous êtes vraiment des sales types. Nous sommes seulement raisonnables. Cela ne veut pas forcément dire que nous sommes mauvais. Peu importe. C'est lui qui peut activer l'antidote. Malheureusement, il nous a échappé. C'est pourquoi tu seras obligé de l'affronter si tu veux l'antidote. Tu devras certainement aller au laboratoire. Au stade où on en est, on va devoir faire exploser le labo. Le faire exploser? Pourquoi? Un moment, que dis-tu? L'amarracheur. Tu as sûrement vu ce monstre qui aspire les gens. Ce serait trop dangereux s'il s'enfuyait. Il est préférable de faire exploser tout le laboratoire. Mais je dois aller chercher la sécrétion de Globopod. Je sais, je ne t'ai pas dit que tu devais aller au laboratoire. Tu récupères la sécrétion de Globopod, puis tu fais exploser le labo. Ça m'est égal, je suis plutôt contente de pouvoir exploser un endroit aussi négatif. Ah oui, j'ai failli oublier. Je ne vous dis cela que par bonne volonté, alors écoutez bien. Tu dois d'abord lancer le compte à rebours, ensuite éliminer le globopode et prendre la sécrétion. Ne serait-il pas moins dangereux de faire exploser le laboratoire une fois que le globopode aurait été éliminé? Seul un idiot a ce genre d'idée. Mais as-tu déjà combattu contre un d'entre eux? Dans ce cas, tu sais qu'il n'apparaît pas quand il n'est pas en danger. Tu ne peux le faire sortir que lorsque tu commences par activer le mécanisme d'autodestruction, le mettant ainsi en mode tueur. Mode tueur? Qu'est-ce que c'est que cette expression stupide? C'est un mode destiné aux ennemis qui menacent le laboratoire. Et bien sûr, le globopode ressentira un danger imminent quand le laboratoire explosera. Comme vous l'aviez déjà vaincu une fois, c'est la seule méthode pour le faire sortir. Je n'ai sûrement plus le choix. Ok, donc là il faut reparler à Luc. Oui! Allons parler à Luluc. Tiens, est-ce que Dova est toujours en game? Ah non, il a arrêté.
Hop là, Luc. Tout de même, quelle chance. Pour un peu, l'utilisation de l'antidote serait devenue impossible. Alors c'était une bonne chose de lui avoir demandé conseil. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Césarine peut être soignée avec la sécrétion de Globopode. Rends-toi de nouveau dans le laboratoire et combat le Globopode pour récupérer sa sécrétion. Ok, il faut récolter la sécrétion du Globopode auprès de Globopode dans Mauvais Oeil. Tu vas pouvoir guérir Césarine, n'est-ce pas? J'espère, sinon Henri me le paiera très cher. Donc, ouais, c'est ça. Très bien. Donc du coup, ça doit être dans le dernier épisode de Atelier 102. C'est ça, c'est dans Mauvais Oeil. Et ben nous, Mauvais Oeil, on le fera dans la prochaine vidéo. Donc là, on est lundi, cet épisode sortira le mardi. Et je ferai la suite mercredi. Je vous ai dit que j'enchaînais les vidéos là pendant plusieurs jours, histoire qu'on avance bien comme il faut, histoire de se faire un avis assez rapidement, et de pouvoir faire la vidéo finale, qui sera du coup bah, l'avis de ce jeu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker si vous appréciez cette aventure et que vous êtes triste que ce ne soit pas un let's play. Vous pouvez aussi le dire dans les commentaires que vous auriez aimé que ce soit un let's play par exemple. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, page Facebook et sur Discord. Le lien, tout ça, c'est dans la description de la vidéo, ainsi que le lien du jeu, je vous le rappelle, qui est gratuit sur Steam. Sur ce, je vous fais des gros bisous, des gros kissous, une grosse poignée de main. Je m'attendais pas à ce que la vidéo dure aussi longtemps, alors on arrête très vite et on se revoit rapidos. Tchuss les petits amis.